Qui m'avait été demandé par Ophélie et Simon. Donc Simon, ça fait un petit moment qu'il me l'avait demandé. Et Ophélie, donc je vous fais des gros bisous à vous deux et ainsi qu'à tous mes abonnés. Donc ce qu'il y a dans mon sac, c'est tout simplement ça. Donc mon sac actuellement, c'est le sac de chez Primark. Voilà, avec une petite... voilà, c'est un petit sac à dos rose comme ceci, fuchsia, que bien souvent je porte comme ceci. À la main tout simplement, hein, avec le petit cordon comme ceci. Mais vous avez aussi les bandoulières en sac à dos. Il est vraiment très 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 beau. Je l'avais acheté l'année dernière au mois de février. Alors sur ce sac, j'ai mis un porte-sac, où d'ailleurs il manque des petits strass. C'est de la marque Gérard Darrel. Voilà, c'est un porte-sac. Donc vous le mettez, je pense que tout le monde connaît, vous le mettez sur une table. Et ensuite, vous pouvez accrocher votre sac. Je trouve ça vraiment très très pratique. Voilà, donc ça, c'est un porte-sac qui vient de Maroquinerie, que j'avais eu avec mon sac Guess, un autre sac. Donc voici comment se présente le sac de chez Primark, que j'avais acheté en février 2018. Je trouve vraiment très très beau. Alors, il se présente comme ceci à l'intérieur, avec une grande poche centrale, ainsi qu'une toute petite poche. Et je vais vous montrer le contenu du sac. On verra que c'est marqué Primark dessus, hein, je pense. Alors, je ne l'ai pas revu, je pense qu'ils ne le font plus. Je l'avais acheté pendant les soldes. Donc de février 2018, il est assez pratique. Bon, j'aurais préféré qu'il y ait aussi une petite poche à l'avant, car j'aime bien qu'il y ait une petite poche à l'avant. Donc premièrement, ce qu'on peut retrouver dans la toute petite poche ici, voilà la toute petite poche là, derrière là, on retrouve déjà un petit miroir de Jolie Box que j'avais reçu en cadeau par une personne. Voilà, avec un petit miroir. Ensuite, dedans, il y a un petit gel antibactérien. Ça y est, je commence à bafouiller, que j'avais reçu de Laetitia, qui a une chaîne YouTube, Laetitia Letty, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est un gel antibactérien qui sent le frais. Il sent super bon. Il sent le frais et j'adore avoir toujours un petit gel antibactérien dans mon sac. Je l'adore. Ensuite, dedans, j'ai mes deux paires de clés. Alors, j'ai mes clés de maison avec le petit porte-clés qui est de London, de Londres, que mon fils m'avait ramené. Là, ce sont les clés de chez moi. Et là, ce sont les clés de mon travail avec le petit porte-clés de Normandie. I love Normandie, un peu effet 3D. Voilà. Et dans la toute petite poche, c'est tout ce que j'ai. Voilà, je pense que vous la voyez, hein. C'est une toute petite poche simple comme ceci. Donc, je vais déjà remettre ça, que je ne les perde pas pour demain, surtout. N'oublie pas mes clés. Voilà. Et ensuite, je vais prendre au fur et à mesure ce qui se trouve dans le sac. Alors, premièrement, j'ai un petit sac, vous savez, pliable comme ceci, où il y a une petite housse pour replier le sac. Voilà, ça se replie comme ceci. Et vous avez une petite housse. C'est un petit sac, voilà, réutilisable, tout simplement. Mais la petite pochette pour refermer le sac, je l'utilise pour mettre ma batterie de chargement pour mon téléphone, tout simplement, que je vous avais montré dans un haul, je ne sais plus quel haul, je vous avais montré cet achat de chez Darty.
Voilà, c'est de la marque Termium, il me semble. Termium. Voilà, donc c'est une batterie, hein, une batterie pour le téléphone. Voilà, avec le petit cordon. Voilà, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Ça fait environ un mois et demi. Et je me suis dit, plutôt qu'elle traîne dans mon sac, comme mon sac n'est pas non plus hyper grand, je le mets là-dedans avec le petit cordon, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Et ça m'a beaucoup manqué, les batteries comme ceci, surtout pendant les vacances. Il suffit qu'on fasse un long trajet en voiture et après on n'a plus de téléphone. Voilà. Alors ensuite, dans mon sac, j'ai un petit porte-monnaie comme ceci qui m'avait été offert, qui vient du Maroc, il me semble. Voilà, il se présente comme ceci, il est assez grand. Alors c'est une petite pochette, mais moi que j'utilise en porte-monnaie. Voilà. Ensuite, j'ai un petit paquet de mouchoirs entamés de la marque Kleenex à la menthe. Ce sont mes préférés, les mouchoirs à la menthe. Que ce soit la marque Carrefour ou Kleenex, tout simplement. Ou même Lotus, je crois qu'ils en font. Ensuite, on y retrouve un petit porte-carte Lancaster. Voilà. Voilà, dedans, bah, j'ai pas grand-chose car je vais vous montrer. J'ai un autre porte-carte qui vient de Russie. Alors là, il y a ma carte de mutuelle. Là, j'ai quelques timbres. Là, j'ai ma carte de vaccination. Voilà, car j'ai plus mon carnet de santé. Donc, je vous montre ma carte de vaccination, tout simplement. Voilà, ça c'est important d'avoir ces vaccins à jour, surtout. Et une carte de médecin, voilà. Et dedans, j'ai une autre carte de kiné, tout simplement. Donc, bon, ça, je ne vais pas vous montrer, hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai dans ce petit porte-carte. Voilà, et donc, oui, je vous ai montré. Là, j'ai des timbres. Là, j'ai rien mis. Et là, j'ai la carte de ma mutuelle. Voilà, et là. Voilà, j'ai rien de spécial. J'ai ma carte de groupe sanguin, ça c'est vraiment très très important, hein, en cas d'accident, qu'on sache votre groupe sanguin, tout simplement, hein. Faut toujours l'avoir sur soi. Ça c'est vraiment très très important. Voilà, il est vraiment très très beau, hein. J'avais un sac Lancaster pareil, qui était de ce style-là. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a justement un magnifique porte-carte qui vient de Russie, qu'on m'a offert, enfin qu'on a offert à mon mari. C'est un collègue de mon mari qui lui a offert. Il lui avait offert deux choses. Donc ça, c'était pour moi, le petit porte-carte. Alors dedans, j'ai mis ma carte vitale, hein, tout simplement. Voilà. Ensuite, bah, j'ai les cartes coiffure. J'ai Sephora, j'ai Saga. Saga, j'y suis allée qu'une fois en vacances, mais pourquoi pas y retourner d'ailleurs. J'ai ma carte Yves Rocher. Voilà, Saga. Là, j'ai la carte Marionneau, mais ça fait longtemps que je n'ai pas été chez Marionneau d'ailleurs. Bon, je vous montre vite fait. Marionneau, Yves Rocher. Là, c'est Nocibé. Pareil, Nocibé, bien souvent, j'y vais en vacances. Voyez, vous avez là le dos, voilà. Là, c'est la carte fidélité Histoire d'or. Voilà, bon, je passe rapidement. La carte de médiathèque de ma ville. Ensuite, il y a la carte poivre rouge, une carte de restaurant. Et il y a encore de la place pour mettre d'autres petites cartes. Elle est vraiment très très jolie, hein. C'est vraiment un très beau porte-carte, j'aime beaucoup. Il est magnifique. Voilà. Et ensuite, je crois que c'est la dernière chose dans mon sac. Ah non, encore autre chose. Un autre paquet de mouchoirs. Là, c'est pas Mentholé de chez Carrefour. C'est pas Mentholé, c'est un classique. Et ensuite, comme le sac, il n'est pas très grand. Ah oui, j'ai un parapluie, ça c'est important. J'ai un parapluie pliable comme ceci que je laisse au fond de mon sac. Ça, c'est vraiment très très pratique. Malgré que j'ai quand même un petit sac, je le laisse quand même dedans. Voilà. Et ensuite, dernière chose que j'ai dans mon sac,
C'est la trousse pastèque comme ceci. Voilà. Que d'ailleurs, petit clin d'œil, quelqu'un va recevoir cette petite trousse. Voilà, prochainement vous aurez une vidéo. J'en dis pas plus. Une vidéo que je fais pas souvent sur ma chaîne. Voilà, donc je pense que tu vas te reconnaître, ma belle. Tu l'auras aussi. Voilà, on en a parlé en privé. Donc c'est une trousse pastèque que j'ai trouvée chez Action, hein, qui était vraiment pas chère. Elle est vraiment très très belle. Normalement, c'est une trousse pour mettre les stylos. Mais moi, je vous avais dit dans ma vidéo Action, là, il n'y a pas longtemps, que moi, je m'en servirais pour mon sac à main. Voilà, comme je n'ai pas un très gros sac. Voilà, en plus, ça fait assez estival. J'adore les couleurs un peu vert fluo. Donc, on va découvrir ce qui se cache dedans. Alors, premièrement, j'ai un stylo bic, je crois, où il y a un bleu comme ceci et un rose. Voilà. Avec la lumière artificielle, on verra peut-être pas bien. Bon, c'est un stylo de deux couleurs, hein, tout simplement. Ensuite, j'ai un gloss de chez Kiko's où j'avais fait un mini haul Kiko. Vous voyez toutes les belles paillettes. Là, avec la lumière artificielle, on voit bien. Donc, c'est un gloss hydratant. C'est le numéro 27, le 3D Hydra Lip Gloss. Voilà, c'est le numéro 27. Il est de toute beauté. En plus, il hydrate les lèvres. Je le mets en général après manger. Ensuite, dedans, j'ai des écouteurs. Voilà, j'ai des écouteurs, je crois que c'est de la marque Samsung. Je ne dis pas de bêtises. Non, c'est la marque Sony, autant pour moi. Voilà, des petits écouteurs. Mais j'en ai aussi de chez Samsung qui sont encore dans leur boîte. Voilà, j'aime bien avoir des écouteurs sur moi. Ensuite, dedans, on y retrouve des lingettes pour les lunettes de la marque Vue. Ensuite, alors des pansements, j'en ai pas mal, que ce soit pour les pieds ou si je me suis coupée pour les mains, tout simplement. J'en ai pas mal des pansements. Là, j'ai un rince-doigts, voilà, au citron. Ensuite, j'ai des petits cotons individuels de chez Action. Je trouve que c'est super pratique si par exemple votre maquillage a légèrement coulé. Ou pour faire, par exemple, si vous avez débordé un peu avec votre rouge à lèvres. J'aime bien avoir ce style de petit coton-tige. Ça venait de chez Action. Mais je crois qu'on n'en retrouve plus. Et je trouve que c'est super pratique. Et surtout, hyper hygiénique. Voilà, vous partez en vacances ou vous mettez dans votre sac. Vous voyez, c'est un emballage individuel. Je trouve que l'idée était vraiment bonne. Alors, dites-moi si vous en retrouvez dans vos Actions. Mais moi, j'en ai pas retrouvé. Et ça, je trouve ça super hygiénique et super pratique pour les petites retouches. Ensuite, dedans, j'ai une petite lime à ongles Fabulous qu'on avait eue dans le calendrier de la fête des mères où il y avait 10 cases dedans. Voilà. Bon, c'est une toute petite lime à ongles, mais qui est plutôt sympa. Hein. Voilà, le côté qui lime est ici. Voilà, toute petite, bien pratique. Ensuite, j'ai Hansaplast, ça c'est un pansement justement pour les pieds, si on a une petite, si le pied il saigne, le talon saigne tout simplement, si on a des nouvelles chaussures. Encore une lingette Vue pour les lunettes ou pour le téléphone. Ensuite, dedans, encore des pansements. Voilà, encore un pansement. Encore une petite lingette qui vient de chez Action pour les lunettes. Elles sont plutôt sympas celles-ci. Et le format est assez pratique pour mettre, pourquoi pas, dans la poche aussi. Car j'ai horreur d'avoir les lunettes sales. Je pense comme tout le monde. Hein. Ensuite, il y a un petit miroir que j'ai mis dans mon sac. Ça venait d'un petit coffret de chez Jiffy. Voilà, c'était une petite mallette. Donc j'ai récupéré. Le petit miroir, voilà, je le glisse dans ma petite trousse. Ensuite, il y a les lingettes de chez Biss Maquillage au thé vert, au green tea, blotting paper. Il y en a 50 dedans, c'est pour les zones où ça brille. D'ailleurs, là, j'ai fait une petite retouche, mais vu qu'il fait très chaud, eh ben, ça me sert vraiment. Hein, c'est pour... Ce sont des petits feuilles matifiants. Voilà, ce sont des petits papiers matifiants. Voilà.
Ils sont vraiment très très bien. De chez Biss Maquillage. J'en ai de chez NYX d'ailleurs à tester. Et j'avais celle de chez Action aussi encore à tester. Qui sont vraiment très très bien. Vous savez, il y avait le petit miroir dedans. Et ça, c'est dommage, il n'y en a plus non plus chez Action. Voilà, donc ça, c'est un paquet neuf. Il est assez dur à remettre. Voilà, c'est au thé vert. Alors, je vais vous montrer une petite feuille. Alors, ça, pour matifier, c'est vraiment très, très bien. Surtout par ces fortes chaleurs, vous voyez. C'est comme un buvard, hein. Hop. Voilà, parfait pour la zone T. Alors, je vais essayer de la remettre, car c'est vraiment très très fin. Les papiers qu'on avait à un moment de chez Action étaient quand même petits. Il fallait en prendre deux, mais bon, vu le prix, c'était plutôt top. Et surtout, il y avait un petit miroir, et c'était vraiment bien. Il m'en reste un en backup, et après, il n'y en aura plus. Et je ne sais pas s'ils vont les refaire chez Action, mais je trouve que l'idée était plutôt bien. J'ai du mal à refermer le petit sachet matifiant. Voilà, donc ça c'est la marque Biss, hein. C'est pas très cher. Ensuite dedans, encore des pansements. Voilà, la marque Hansaplast. J'ai un peu toutes les marques, toutes les tailles de pansements. Si je me coupe, que ce soit pour les doigts ou pour les pieds. Voilà, j'en ai plein. Voilà, j'en ai même dans mon vestiaire de travail. J'en ai beaucoup sur moi aussi. Ensuite, on a un tout petit peigne. Voilà, ça c'était un kit de chez Action où il y avait 10 pièces dedans. Moi, j'adore. Voilà, c'est pratique si vous voulez vous recoiffer vite fait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dedans? Encore une lingette pour les lunettes de la Générale d'optique quand j'avais acheté mes lunettes. Encore une lingette pour les lunettes de la marque Vue. Je crois que c'est ma troisième lingette ou quatrième lingette dans cette petite trousse. Encore des pansements. Eh ben franchement, je n'en manque pas. Hein. Regardez, j'ai tout ça. Tout ça. Et tout ça. Alors là, franchement, si je me coupe ou si j'ai une ampoule pour les pieds, j'ai de quoi faire. Pareil pour les lingettes, pour les lunettes, hein, j'en ai pas mal. Voilà, pour les lingettes, pour les lunettes, je vous montre. J'ai tout ça. Voilà, et je crois qu'il y en a encore une. Voilà. Donc, j'ai de quoi faire, hein. Et on croirait que je pars pour 10 jours. Ensuite, ça c'était la marque Dose, le gel main propre. Voilà, c'est un gel antibactérien que j'avais reçu dans ma boîte aux lettres. Voilà, je ne sais pas si ça se fait encore. Pureté, fraîcheur et bien-être, j'aime beaucoup. J'en ai déjà utilisé pas mal, elles sont plutôt top. Ensuite, dedans, qu'est-ce qu'il me reste? Une petite pince à épiler. Voilà, très très pratique aussi. Encore des petits cotons-tiges, pareil qui viennent de chez Action. Hein. Je ne sais pas pourquoi je les laisse par 3. Voilà, ça m'en fait 6. Ensuite, dedans, il me reste que des rouges à lèvres. J'ai fait le tri, j'en ai enlevé. Un de mes chouchous de la marque ELF, c'est le Jumbo. Celui-ci, c'était le. Alors, j'ai pas mes lunettes. C'était le. Le A507, je crois, ou le 22147. Enfin bref, de toute façon, et on ne retrouve plus la marque ELF. Ou alors, je crois, sur un site, c'était un rose pailleté comme ceci, un jumbo. Ça, c'est vraiment un de mes chouchous de la marque ELF. J'ai fait un tri dans mon make-up. Il n'a pas du tout périmé. Hein. Ça fait pas non plus 10 ans que je l'ai. Hein. C'est un jumbo lip gloss et franchement c'est une tuerie. C'est un rose un peu pailleté. Bon là je vais pas vous faire de swatch car on est le soir, on verra pas du tout les swatchs. Et je vois pas le nom de la couleur. C'est le Plumky Gypsy je crois. Voilà. Je crois qu'on peut quand même retrouver sur la marque ELF mais sur un site américain il me semble. Alors ça c'est un gros chouchou que j'avais trouvé chez Action. C'est de la marque New York Color NYC.
C'est le Apple US, c'est un glossy lip balm à la pomme. Voilà, pareil, un énorme chouchou. C'est un gloss avec au milieu une forme de pomme qui est un peu hydratant et qui colore légèrement les lèvres et qui sent super bon la pomme un peu Pink Lady, vous voyez. On voit bien la forme de la pomme à l'intérieur, le petit truc blanc là. Voilà, c'est la forme de la pomme. Alors celui-ci, il est super hydratant et il colore bien les lèvres. Je l'adore. Une véritable tuerie. Je l'avais trouvé dans un petit kit de chez Action qui vendait avec la marque New York Color. Voilà, c'est le Apple US. Baume à lèvres brillant. Voilà, il était vraiment, vraiment bien. Vraiment top celui-ci. Ensuite, un gros coup de cœur aussi de la marque Max & More. C'est un des. Comment ça s'appelle? Des lip balm. Voyez qu'on twist un peu un crayon jumbo comme ceci. Je l'aime beaucoup. Ils ont une très très bonne tenue, je trouve. Ils hydratent bien les lèvres. J'aime beaucoup. Je vous en avais fait gagner d'ailleurs lors des précédents concours. Hein. Voilà, les frais, ils sont vraiment très très bien ceux-là. Pour vraiment moins d'un euro, vous en avez deux. Ensuite, il y a un crayon de chez Kiko, le Lip Gloss, un marron pailleté comme ceci que j'ai en double. Voilà, donc ça, par contre, c'est un crayon qu'il faut tailler. D'ailleurs, il va falloir que je le taille. Voyez, il a une superbe couleur. Est-ce qu'il a un numéro, lui, par contre? C'est le 04. Voilà, il est vraiment très 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 joli. Voilà, c'est un marron pailleté. J'adore tout ce qui est pailleté. Et comme vous voyez, il va falloir que je le taille d'ailleurs. C'est vraiment très très bien. J'en ai beaucoup de cette marque-là. Et j'ai vu chez Kiko qui continuait de les faire. Et ensuite, il me reste deux derniers rouges à lèvres. Vous voyez qu'on peut quand même mettre pas mal de petites choses dans cette jolie trousse de chez Action. Qui est à l'origine pour les stylos, hein, les stylos d'écolier. Alors, les deux derniers produits, ce sont ces produits-là, ce sont deux rouges à lèvres. Il y en a un de chez Kiko qui est le 818. Voilà. Ah oui, je l'ai en double, je l'adore celui-ci. C'est un pailleté tout simplement. Voilà, on verra pas bien, c'est un rose très très pâle pailleté. Voilà, c'est vraiment un de mes chouchous, je l'ai en double. En plus, les odeurs des rouges à lèvres Kiko, ce sont des tueries. J'adore ce rouge à lèvres. Je l'ai acheté en double, car je l'adore. Et ensuite, dernier rouge à lèvres, et c'en est fini de ma petite trousse. C'est le 72 Nacré Perlis, c'est un rouge à lèvres de chez Yves Rocher. Et j'adore les rouges à lèvres de chez Yves Rocher de cette gamme-ci. Je ne sais pas ce que c'est comme gamme. Ce sont les rouges Vertige. Voilà. Donc celui-ci, il est superbe. C'est un rose un peu avec des sous-tons. Un rose un peu avec des sous-tons dorés dedans. Dommage que je ne puisse pas vous faire de swatch. Il y a comme des petites paillettes dorées. Mais par contre, sur les lèvres, ça ne laisse pas de paillettes. Vous voyez, il y a des reflets un peu rose gold. Vous voyez un petit peu. Il a une très très longue tenue et il n'est pas du tout desséchant. Hein. Vous voyez un peu la forme du rouge à lèvres. C'est vraiment facile à mettre. Voilà, je pense que vous pouvez voir les petits sous-tons dorés. Donc, et ben voilà, c'en est tout de mon What's in my bag. J'espère que ça vous aura plu. Et franchement, si vous trouvez cette petite pochette chez Action, foncez, car pour mettre dans le sac à main, vous avez vu tout ce que je peux mettre dedans. C'est plutôt top, hein. Voilà. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye!